T'as pas un problème, toi? Hein? Ouais. Je me suis fait refaire il y a pas longtemps. C'est le pêcheur. Il est où le ballon, Lily? Ce qu'il fait, papa, il fait des bêtises. Hein. Merci. Ouais, j'ai tout raté. Tiens. Merci. Oh là! Il a quitté le ballon, c'est quand même mieux comme ça, non? Ouais, effectivement, c'est plus naturel. Chouchou, il est pas doué en cuisine, non? Alors en fait, on avait. Ils ont, à l'école de Eden, ils ont proposé de faire des gâteaux pour le vendredi pour les vendre, tout ça. Pour organiser une sortie de la classe. Laure a inscrit, c'était pas obligatoire, Laure a mis le nom de Eden. Mais j'ai pas eu le temps de faire. Sauf qu'elle ne l'a pas fait. Si je suis rentrée jeudi. Donc il faut que je me démerde. Donc Anthony s'est lancé dans le gâteau ce matin pour l'amener à 11h. Mais regardez le talent d'Anthony. Non, c'est pas une question de talent, c'est une question d'équipement. J'ai un moule. J'ai pas de moule. En fait, le gâteau, bah, vous voyez pas, bah voilà, on va voir. Ça s'appelle un nouveau gâteau, c'est pas un... C'est comme une piscine à débordement, c'est un gâteau à débordement. Voilà, c'est pas un fondant au chocolat ou quoi que ce soit, ça s'appelle une coulante au chocolat. C'est un nouveau gâteau en fait qui fait effet lave. Voilà. Et c'est censé rendre très déco un gros pâté à la fin. Et c'est tout calculé, c'est normal. Il a été là, au secours là, qu'est-ce que je fais? Je lui fais, c'est sérieux, c'est à moi que tu demandes ça, parce que moi j'y connais rien. T'as vu? Quoi? D'où l'expression démouler un cake. Bon bref, il est je sais pas quelle heure, faut qu'on regarde l'heure hein, parce qu'on avait rendez-vous ce matin. Carrier chouchou s'il te plaît. 10h22. Ouais, parce qu'à 45 faut qu'on soit parti hein. Bah j'espère que ça sera bon. Bah j'espère aussi, sinon on va l'amener Normalement il faut 40 minutes de cuisson. Bah c'est large là non? Ouais normalement bon, le problème c'est qu'il... Je sais pas, parce qu'il stagne pas, ce qu'il va donner. C'est pas trop. On verra bien. Écoute, on l'amènera comme ça, puis on dira on est désolé. Parce qu'Anthony en plus il a prévu il a fait fondre et tout le chocolat. Il a prévu avec les petites perles et tout, ça veut pas faire notre connerie. You, voilà, une petite perle au chocolat et tout. Mais si le gâteau ressemble à rien, je suis pas sûre qu'il passe à l'étape. Quoi qu'au pire, ça embellira la chose. Hein. Ouais, je pense, de toute façon, une fois qu'il sera cuit, je le couperai et je ferai un cache-misère avec le chocolat. Bon, en fait, j'ai pas mal de photos à faire ce matin. J'ai réussi à en faire qu'une seule pour un concours, c'est pour des concours, hein, simplement. Pour vous dire, il y a un concours avec. Vous allez avoir une vidéo avec toute une collection de pros de jeux et vous allez pouvoir les gagner aussi sur Instagram. Il va y avoir les My Little Pony, l'édition limitée, que vous allez pouvoir gagner aussi sur Instagram. Et l'énorme peluche Lilliputien, qui est d'un bleu magnifique, qui va être à gagner sur Instagram. Mais aujourd'hui, je vais faire les photos de tout ça. S'il va y avoir une bougie, celle-ci. Ta-da-da-da, la édition limitée de My Jolly Candle. Alors déjà j'aime beaucoup le design. Elle est belle hein, elle est vraiment super jolie celle-ci. Ça fait Noël. Ça fait Lily, techniquement tu ne peux pas ouvrir. Yo yo bobo. Oh, me fait du coup d'un peu. Oh, et mon cœur. Oh. Lily rose. Ça va mieux? Vous avez vu le drame qu'il y a eu? Attends quoi? Attends quoi mon cœur? Elle est grimpée sur moi. Maman. Ça y est, tu fais ta petite voix de monstre. Tu te vois dans la caméra, t'as vu, on se voit. Bon et du coup cette fameuse bijou que Lily est en train d'essayer de me chipper. Non, c'est à maman, oh, et donc c'est édition limitée spéciale de Noël. Je vous mets le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse, si vous voulez la recevoir à temps pour les fêtes ou pour offrir par exemple. Donc il contient un bijou et celle-ci elle contient, c'est toujours écrit, un collier, voilà, à l'intérieur, donc c'est super cool. C'est de la cire naturelle 100% végétale, parfum élaboré à grâce. Je ne sais jamais si je vous ai déjà toutes donné les infos sur le concept. Et moi, par exemple, Anthony, il a sa bougie aussi. Ça, ce bijou que je porte tout le temps depuis des mois, regardez-le. Il a mis sa bougie homme parce que monsieur est tellement content d'avoir une bougie homme qu'il est obligé d'en parler. Voilà, donc il est obligé d'en parler, monsieur Chouchou. Tu veux faire ta photo avec ta bougie, mon cœur? Non, c'est bon, je l'ai déjà. Non. Et c'est un bracelet qu'il porte au poignet qu'il y a dedans pour homme. Fais voir. Il fait la petite démo. Voilà, donc lui, il l'a eu en la part en avance.
Du coup, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça peut être. Et du coup, voici la bougie homme. Parce que du coup, comme on en parle. D'ailleurs, à côté, vous avez mamie de Lily Rose. Voilà, hein, ça peut avoir des enfants. Je vais aider à préparer un gâteau. et Anto l'aime bien. Il était content qu'il ait pour une fois un collier. Donc voilà, sachez qu'ils ont fait une édition, enfin une bougie spéciale pour les hommes. Donc pareil, merci, avec merci. Un petit bracelet. Oh, c'est mignon, le câlin d'amour. Et du coup, je reviens sur la mienne parce que c'était de la mienne dont je parlais. Je vous mets de toute façon les liens pour les deux bougies, hein, si vous voulez celle homme aussi. Parce que du coup, quitte à ce qu'Anthony voulait montrer, autant que je vous donne aussi le lien. Et elle, par contre, j'ai pas eu la chance de recevoir le bijou en avance. D'habitude, je les reçois là, il y a eu du avant. Elle sent bon. Je trouve qu'elle sent doux. Il faudra que je l'allume, du coup je vous dirai un petit peu niveau odeur ce que j'en pense. C'est marqué fleur dorée, donc c'est pas une odeur forte quand c'est des odeurs de fleurs. Et du coup c'est celle-ci qui va être à gagner en concours sur Instagram. Donc voilà, pareil, du coup les tirages au sort je vais les faire rapidement derrière la mise en ligne. Elle sera mise en ligne ce week-end. Donc vous allez voir ce vlog ce week-end. Donc allez-y vite sur Instagram si vous voulez pouvoir tenter de la gagner, de la pouvoir l'offrir ou vous l'offrir pour Noël. Maman, je t'aime. Je t'aime. Bon, le col. Je me fais grimper dessus. Bon, ouais, mon petit cœur d'amour. Donc voilà, du coup, ce matin, et ça va se reporter aussi sur cet après-midi, parce que là, on enchaîne les rendez-vous, on sera rentré qu'à midi. Ça va être les photos concours pour ça. Donc je vous préviens, parce que pas tout le monde va ou a Instagram, où il pense. Et du coup, bah, y a pas mal de concours. Et pour les adultes, avec la bougie, je suis en train de me faire griffer. Et pour les enfants, avec des jeux. On est en voiture, on a récupéré le petit dernier qui nous manquait, c'était Eden. Juste là. T'es tout beau, mon cœur, comme ça, papa, il t'a bien habillé ce matin. Et on a mes mères qui est juste ici. Duc. Ils sont tous les deux posés, mais là, ça a pas tardé à commencer à dire qu'ils ont faim. Du coup, on va. Ouais, tu le vois vite, hein. À table. Lirotte, à table. Il dit à table. À table. Mais on est en voiture, papa, c'est pas cohérent ce que tu dis. On va manger. On va prendre à manger, Dan, sur la route? Oui. Anthony, il vient de nous faire peur! En fait, je teste le oui. Détecteur de la voiture. Bien effectivement, sûr. Elle a freiné. Papa m'a passé le pont. Papa, il a passé le pont, oui, mon cœur. Ah, on a passé le pont. Mais là, du coup, on rentre à la maison et on va manger! Parce qu'il se fait faim, c'est midi. Donc en fait, vendredi, Eden, il a rendez-vous de 11h30 à midi. Non, on va pas manger avec mamie, mon cœur, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux manger avec nous, mon cœur? Bon, les loulous sont à la sieste. Je voulais vous montrer, hier on a fait des courses, mais hier j'ai pas vlogué. Parce que du coup, Laure m'a dit qu'il y avait un écart de vlog. La journée avec SOS Village d'enfants, derrière j'étais complètement crevée en ayant dormi moins de 7 heures en deux nuits. Et les 10 heures trajet ont fait que j'ai préféré espacer les vlogs pour me laisser une journée de repos. Voilà, tout simplement, donc rien de dramatique. Hein. J'ai prévenu sur Instagram, c'est que je vous ai pas prévenu sur YouTube. Donc voilà, d'où il y a eu un décalage un peu plus important que d'habitude, mais ça revient à la normale. Et du coup, hier on allait faire plein de courses parce qu'il fallait faire plein de courses et je me suis acheté ça. Je connais pas spécialement la marque Liebig. Voilà, ce sont des soupes parce que du coup le soir je suis plus avoir envie de soupe, mais je suis une des seules à en manger à la maison, donc je me suis pris ça pour moi. Mais j'ai pas du tout la force ni l'envie de me motiver à le faire maison, voilà, je suis honnête. Donc je trouvais que ça c'était une bonne alternative au sachet industriel. C'est 100% légumes français, c'est sans colorant, sans conservateur, sans exhausteur de goût, c'est 2 € quelque chose. Et c'est une quantité de 75 centimes. Personnellement je pense que ça me fera 2 repas. Donc ça fait pour 2 adultes, je dirais, pour moi en termes de quantité. Après peut-être qu'ils vont vous dire que sur le truc c'est pas écrit ça. Cette bouteille est recyclable, ok, c'est super. Et du coup sinon l'info à ne pas manquer pour ceux qui sont de la région valentinoise, je fais un meet-up signature donc, de mon livre Hyperu de romans sur Isère samedi 15 décembre, donc samedi prochain. Je serai présente de 10h à 13h au niveau de l'entrée au rayon librairie, donc ce sera avec grand plaisir de pouvoir et bien tout simplement vous y rencontrer. Et n'hésitez pas si vous avez la possibilité et l'envie surtout de venir et bien de vous y rendre pour qu'on puisse se voir. Voilà, c'était la petite parenthèse good nouvelle et ça me fait plaisir de pouvoir organiser quelque chose proche de chez moi. C'était un petit peu quelque chose que j'avais envie de faire, donc c'est une réalisation pour moi, je suis contente. Moi je suis en train de récupérer des photos qu'on a fait là avec Liros pour le concours des poneys. C'est du coup on fait gagner des... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est adorable. Mon prochain objectif c'est ma puce, mais j'aime trop.
Anthony, il adore celle-ci. Tu avoues que c'est vrai qu'elle est vraiment super belle. Elle veut pas. Veut pas manger la peau. Papa, il s'en fiche ta banane. Papa, il s'en fiche ta banane. Tease. Mais c'est méchant, papa. Je vais mentir. Elle est en train de squatter son père. Elle a eu sa demi-banane. Oui. C'est l'heure de goûter. Eden, il dort encore. Comme quoi, hein, il fait rare, il fait plus de sieste. Mais le vendredi, ça, il a besoin. C'est pour ça qu'on le laisse pas l'après-midi. Parce qu'il dort pas, il arrive pas à dormir à l'école. Il est posé, hein, il dérange personne, il se pose, mais il dort pas. Donc, il en a besoin. Puis de toute façon, la moitié de la classe n'y va pas le vendredi après-midi. Ah oui, ça, c'est ma vie qui l'a envoyé tout à l'heure. Tu le donnes, s'il te plaît? C'est un stylo, mon cas. Tu contournes les poneys? Merci, mon âme. Oulala, papa, t'as oublié quelque chose d'autre. Regarde ce qu'elle te tend comme elle est gentille. Ouais. Papa, il est en train de ranger. Bébé réveillé, télé éteinte. Elle est encore un peu prise. Hein. Ici, on a les glaires pour bébé, c'est-à-dire que bon, elle a un peu la crève. Hein. Check. Regardez ce qu'il lui a pris. D'ailleurs, il faut qu'on aille l'installer. Je vois que c'est vrai qu'on a notre nouveau siège auto. Tap. Et après, check. Je crois que papa est en train de légèrement se faire envahir par les enfants. Ça va, papa? Impeccable. Eden s'est réveillé. Il est presque 5h. Il était couché, c'était 13h30. T'avais besoin de faire une sieste, mon petit cœur. Hein. Je te l'avais dit, hein, ça fait du bien de dormir. Yep, il est en train de se poser tranquillement. Et puis, lui, il goûte ce que Lily, elle a déjà goûté. Ça, c'est classe. Regardez le bordel qu'elle m'a mis, Lily. C'est elle toute seule hein, qu'elle m'a fait ça, là. Et là, elle adore se faire poursuivre par son frère, elle est morte de rire. Sinon, je vous ai pas dit, vous savez c'est quoi la super nouvelle? C'est quoi, je suis la super nouvelle? T'es enceinte? Non. Alors t'as pris du poids. Mais qu'est-ce que t'es méchant? Non, c'est quoi la super nouvelle? La voiture. C'est quoi la super nouvelle de la voiture? Oh. Parce que vous savez ce qui nous est arrivé à notre voiture. C'est toujours Hiro qui s'éclate avec son frère en arrière-plan, ne vous inquiétez pas. Eh ben, vous savez, donc, je suis montée dans le nord de la France pour SOS Village d'Enfants. Et donc, bah, j'y suis allée en gare en voiture. Et j'ai garé ma voiture. Et quand je suis revenue, eh ben, ma voiture elle avait une belle rayure. Voilà, mais c'est une rayure d'une valise. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est passé à côté de ma voiture et qui se dit... Easy, je passe, mais qui n'est pas relâché en face des trous et qui s'est fait un plaisir de me rayer sur une bonne longueur ma voiture. Les deux portières quoi. Les deux portières ont pris quoi. Donc on est ravis, surtout qu'on a fait quoi il n'y a pas longtemps sur la voiture, c'est comment ça s'appelle? Un traitement pour la carrosserie justement qui protège la carrosserie. Voilà. Du sable, des gravillons, tout ça. Enfin, et puis qui fait briller, qui enlève les rayures et puis au final... Voilà, elle m'en a fait ça la voiture, elle a fait ça il y a moins de 2 semaines, hein. On lui a fait oui, ce traitement. Oui. C'est un ami qui nous l'a fait. Merci. Donc on est tellement ravis parce que la carrosserie ça coûte un bras. Donc on sait pas trop ce qu'on va faire. Mais on est, mais alors dégoûté. C'est toujours pareil, les gens ils en ont rien à péter. Pas de respect. Et pourtant c'est pas une voiture qui est luxueuse où tu te dis on va te l'abîmer quoi. C'est certes un 4x4 mais quand même quoi, je sais pas. Enfin, tu payes pour mettre ta voiture dans un parking et tu reviens à les rayer. Mais je suis dégoûtée quoi. Sur le coup, je l'ai pas vu, c'est Anto, tu l'as vu hier en fin de journée. Hein. Sur le moment, on l'a pas vu quoi. Il y a les enfants qui sont en train de jouer à des jeux de construction. C'est rigolo parce que vraiment Lily suit comme un poussin son frère quoi. Il fait un truc, elle va le faire derrière quoi. À tes souhaits, Lily Rose. T'as fait une jolie construction, Eden? Ouais. C'est quoi? C'est un château. C'est un château? Oui. Il est beau ton château, hein?